Fire 4, donc on va continuer notre petite partie avec les Girac et Serikai. Salut tout le monde. Yo. Nucléaire est forte. Oh allez, bien bon. Bravo les Français. Votre recherche nucléaire. Je vous félicite. Exactement, allez, un research. Non, tu devrais être choqué de dire non, 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 le nucléaire c'est tabou. Tout ça. Le nucléaire c'est très bien le nucléaire. Bon, après, il faut qu'on se fasse Malte. Mais bon, il faudrait faire des marines. Bon, ben, quand j'aurai le manpower, il dit quoi? Le manpower remonte. T'es en train de te faire enfoncer en Afrique, DJ. Ouais, ouais, je sais. Attends. Ah merde, je commence à avoir du very low supplies. Fais chier ça. Attends, on va réorganiser bon, ça aussi. Europe, ouais. Non, j'ai quand même pas envoyé mes troupes de montagne en Afrique. S'il faut ça, hein. Je les envoie là-bas et je vais les affecter au front Afrique. Et eux, ils vont. Je vais m'occuper de t'aider pour tes troupes là-bas. Ouais, ça c'est bon. Ah, par contre, faut attendre, faut qu'ils arrivent. La manpower 544, ça monte. Missing Fighter et Naval Bomber. Fighter, non, Fighter j'en fais plus, de toute façon j'en veux plus. Et Naval Bomber j'en veux pas parce que j'en fais plus. Ah! Ah non. J'ai dit que je faisais du Heavy Fighter. J'en ai pas du Heavy Fighter en construction d'ailleurs. Je vais faire un traité avec l'URSS ou pas? Ouais. Oui, oui. On arrive à l'attirer dans la guerre qu'on se démerde, c'est pour ça qu'il faudrait déclarer la guerre à la Lituanie et tout comme ça pour que quand ils déclarent la guerre, qu'ils se retrouvent en guerre contre les alliés. L'avantage de déclarer la guerre à la Lituanie, tous ces pays à la con, sans les envahir, c'est qu'en fait ils se rendent dans les alliés. Donc quand la Russie leur déclare la guerre, bah, la Russie se retrouve en guerre contre les alliés. Ouais. Quoi, qu'est-ce qu'il dit lui? Battle plan with no unit assigned. Ouais, voilà, hop. Ensuite. Je sais pas. Ils vont arriver, on va les épiques défoncer. Je vais couper l'or, j'ai coupé derrière, je vais faire allez les troupes de montagne. J'ai suscité 116,8% l'attention mondiale. Moi très sûr. Ah, nord de France, ça y est, je commence à me faire attaquer en nord de la France. Voilà, les 9000. Ça, on split, je t'en envoie la moitié là-bas et les 4 qui se touchent la bite, je les envoie derrière. Ensuite, l'Afrique, Saga, Africa. Bon, ça c'est fini, mon cher ami. Mais non. C'est quoi ça? Mandat du Levant. Ça arrive quand là-bas? Dans 2 jours! Oh putain de Saras maudite quoi. Attends, tu vois des divisions, c'est un peu. Voilà, ça y est, les troupes de montagne sont arrivées. Ah non, pas encore. Non, ils arrivent, mon lapin. Je vais t'aider. T'es en train de gagner le conflit. Et là, l'autre, je vais les couper par derrière. Putain, s'ils atteignent la ligne de côte. Non, c'est montagne de tes unités qui va les intercepter. Ok. Dans un de France. Ouais, voilà, ça va commencer à piquer. Non, 96. Combien j'en ai rasé de bombardiers? Bon, ils ont rien fait. Là-bas, ils vont se réparer, les mecs, ils sont pas rien, quoi. Ils vont se réparer à Brest, ma flotte va se réparer à Brest. Comment dire, je crois que t'as pas tout compris, hein, la flotte. T'es au courant qu'il y a des Anglais là-bas, les Anglais, c'est comme les Allemands, mais en pire. On dit bateau, eux. Eternal Bomber, ouais. Les équipements, ouais. Ah, mais tu m'étonnes. Les mecs qui m'attaquent au port, ils se font couler un navire. Là, on a encore rasé. Non. Putain, les pauvres Anglais, j'ai presque de la peine pour eux.
Bon bah, les mecs ont coulé leur bombardier. Bon bah, la Lituanie n'existe plus, hein. Le plan de bataille. Great news, ouais. Voilà, ok, putain, tu les as interceptés. Voilà, faut surtout pas qu'ils prennent le port. Moi, je suis en train de couper leur ligne de ravitaillement à ceux qui sont là-bas, les Girac. Là-bas, métro. Ouais, voilà, les chasseurs alpins sont arrivés et on sent tout de suite l'Afrique qui se passe plus. C'est là qu'on voit la spécificité des chasseurs alpins qui peuvent niquer tout le monde, mais n'importe où. D'ailleurs, faut que je les modifie mes chasseurs alpins. Je vais en mettre des brigades d'artillerie au cul. Parce qu'ils vont pas plus vite ni moins vite avec ça. Production. Recrutant de déploy, troupes de montagne, bien d'infanterie alpine, on va dégager. Ouais. Voilà, ça, on remove, on remove, on remove. Pas l'infanterie. Non, pas de l'infanterie, putain. Troupes de montagne. Troupes de montagne. Artillerie, 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 ces troupes d'élite en support, on leur met de l'artillerie encore en support, du fil d'hôpital, du génie et de la reconnaissance et entière. Boum, 70 points d'expérience que j'ai claqué dans quoi? Dans mes troupes de montagne. Ah. Ça se passe plutôt bien. Oh, je me suis fait couler mon port d'avion. Bon, on branle de façon ma marine. En même temps, c'est le monde de connards qui vont réparer dans un port, quoi, où ce boss s'en fout. Ils font chier. Bon, là-bas, tu faisais pique défoncé. Voilà, avec. On va s'occuper de ça. Et ton unité de garnison, elle a défoncé de l'armée régulière sud-africaine. Mais j'ai dit que c'était trop bien la garnison. Ouais, mais il m'a fait peur parce que s'il rattrapait le port, ça lui ouvrait une zone de ravitaillement. Mais bon. Déjà, très bien joué. Mais il est loin le port. Hein. Je te laisse. Bah, il était juste. Ah, d'accord, non, je confonds, c'est un aéroport. Ouais, bah, je te laisse pousser l'assaut pour le finir. Bah, c'est la garnison qui va le faire. Hein. Voilà, et moi je le bloque derrière. La Roumanie, on va les piquer sous pétrole. Ils sont où les chats? J'avais envoyé deux chars. Hein. Deux chars. Pas une compagnie, non, deux chars. Non, j'envoie deux chars. Bah, je sais pas où ils sont passés, bon. Ces chars. Et après, je vais aller me pencher sur l'Irak, moi. Ah. Qu'est-ce qu'ils foutent à l'autre bout du monde? L'Irak, je t'enverrai mes. Je sais pas combien de troupes là, mais non, j'aurais peut-être mes deux montagnes, ça suffira. Voilà. On va les rapatrier par là-bas. Putain, mais qui dégage de là, cette bande de connards? Je me fais couler ma flotte ou quoi? Non. Qu'est-ce qu'ils font dans l'océan Indien? Je sais pas. Les mecs, tu leur donnes comme mission. Mais sérieux, la vitata, quoi. Tu leur donnes comme mission de protéger la Méditerranée, Western Méditerranée. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, on va aller en océan Indien. Bah oui, c'est logique. C'est pas ce qu'on vous a demandé, les gars? Non. Palestine. La quoi? La Palestine. Ça existe, ça? Ouais, j'ai 3 unités de cavalerie. Non. Ici, on va rajouter en zone de garnison la Palestine qui est là-bas. En plus, vu qu'on a suprématie dans la Méditerranée, c'est très bien. Par contre, ouais, je rapatrie mes chasseurs de Latium, là, je lâche l'Italie et je vais aller un peu m'occuper de. Je vais aller m'occuper de la Méditerranée. Parce qu'il y a des bombardiers et des torpilleurs. Ah, bon, bonne nouvelle, la Bulgarie est dans l'axe déjà, donc ça on sera tranquille. Alors là on attend parce
parce qu'en fait, t'as Serikei qui a la pause. Oh merde. Que le jury en pause. Donc, faut pas l'enlever. Voilà, on l'enlève. On rapatrie en Sicile. Et après, je vais m'occuper de la centrale maternelle. Bon, on a suprématie aérienne en Grèce, donc ça c'est parfait. Voilà. Ok, là-bas ça va être bon. Ensuite, le manpower, c'est bon. Les constructions. Ok, la DC est en train de bien se construire. Voilà, ok, mes troupes de montagne. On va les mettre. Ça là-bas, hop, ils vont faire ça. Je vais m'occuper des territoires là-bas, en Afrique, pas égyptienne. Là, eux. Ok, on annule les ordres. On les met ligne de front là. Hop. On se déploie. Où c'est que ça résiste? Alexandrie aussi. Alexandrie, c'est où? C'est là. Et à fort recruter aussi. Bon, les convois. Ouais, les convois anglais, on les défonce. J'ai amené les Bulgares pour qu'ils se bougent un peu le fion, c'est con. Mais va être utile face à la Roumanie. Ouais. En Grèce, ça avance lentement, mais sûrement. Je vais essayer de. Si vous voulez pas en guerre, les couillons. Donc j'aurais dit c'est bon les gars, vous arrêtez vos conneries, vous venez. On sent qu'il y a quand même quelque chose là, un vieux passif. Ah ouais. Les mecs, tu les écoutes, ils ont tout vu, ils ont tout fait quoi. Je suis sûr qu'il y a certains, la seule chose qu'ils ont fait, ça a été le chemin entre leur pioule et le pont de navire. Non, mais c'est vrai que des fois, ça me fait marrer, t'as toujours quelques-uns. Oui, moi, troupe de marine. Le mec, il a jamais rien fait, il a jamais fait de trucs opérationnels, mais oui, moi, troupe de marine. Oui, mais bon. Il y a les troupes de marine et il y a les troupes de marine. C'est quoi? C'est là-bas le Caire. Le Caire n'est pas. Voilà. Bon, on va falloir que je recrute un peu de cavalerie, mais.
faire les... Non, train. Qu'on déploie là-bas et qu'on affecte à... Je sais pas pourquoi j'ai trop, elle m'écoute pas. J'ai dit attaquer, attaquer, bordel de chiens, ça attaque pas, elle reste immobile. Mais t'arrêtes de te plaindre un peu. Ok, on va laisser ça comme ça, on va dire que c'est normal. Ah, mes divisions, putain, elles sont paumées là. 22 divisions, t'as plus. Yes! Un nouvel ace. Tactical Bomber. Les fighters en Sicile. Oh, je suis point de puissance politique, qu'est-ce que je vais en faire? J'ai toujours pas fini de rechercher les V-Fighters, non. Oh putain, allez, c'est... j'ai repu le manœuvre. Hermann Göring, soutien au sol plus 10%, ça je te prends. J'ai besoin de pétrole? Oh, t'inquiète pas, d'ici la fin de la guerre contre la Roumanie, ce sera fait le pétrole. Ah tiens, j'ai mon mec qui vient d'être promu, c'est devenu un aspof pour le coup. En tout cas, vous remarquerez, le mec qui sait ce que c'est que limiter ses pertes. Hein. La France, 6000 morts, l'Italie, 117 000, l'Allemagne, 92 000. Je suis fait la Yougoslavie, je suis fait la Pologne, je suis fait les Baltes, les Roumains. J'aime bien, c'est-à-dire que concrètement, si on fait rentabilité sur l'espèce humaine, c'est quand même moi le plus gentil. C'est-à-dire que moi, je fais 30% du score de guerre et j'ai eu 6000 morts. Le gentil despote. 9% du score de guerre, 119 000 morts, avancez mon 9 Fénias, il est fait. Et c'est Rika, 63% du score de guerre pour 94 000 morts. Donc les gars, c'est une rentabilité et tout. Putain, oh, l'Angleterre, la Suisse, ouf, la Grèce, ils ont pris cher. Ouais, mais en même temps, tu vas me dire la combat en Grèce. La Pologne, ils ont pris cher. Vous dire que vu ce qu'on leur a mis aux Polonais. Tu veux pas garder un des pays à la con là-haut, genre l'Estonie ou en Espagne? Pourquoi faire la Roumanie. Mais sinon, lui a fait de me casser les couilles. Sinon, faut déclarer la guerre à la Finlande. Mais pas les attaquer. Bah la Finlande, j'ai pas encore de clé dessus, donc... Mais je veux vraiment sécuriser la frontière avec l'URSS, je lui fais pas confiance à l'URSS. Ouais, mais l'intérêt, c'est que si on se retrouve avec la Finlande, c'est qu'il se retrouvera en guerre. Justement, c'est pour ça que je vais pas déclarer la guerre avec la Finlande. Bon, lui, c'est quand il veut qu'il arrive. Enfin, pourquoi? Bah, disons pas tout de suite. Parce que la Finlande rejoint les alliés, quand la Russie leur déclare la guerre, ils se retrouveront en guerre. C'est pour ça que je laisse la Finlande. La Finlande rejoindra les alliés, quand l'URSS déclarera la guerre, elle sera en guerre contre les alliés. Mes escouades d'ailleurs, elles foutent quoi moi les miennes, les escouades? Alors j'essaie, c'est un Transdanubie qui bomba, qui agit. Où est-ce qu'elle agit? Ah putain, je peux même pas créer ça, ça fait chier. Elle agit en Grèce, très bien. Ouais, j'ai les Balkans du Nord. J'ai un gros problème, moi c'est la manpower. Ah. Ils sont... Réforme-toi vite. Putain, ils sont... Mais c'est fait! Tu vas me dire à chaque fois que je dis que j'ai plus de manpower, c'est fait, je suis au maximum. Mais le problème, c'est que j'ai une manpower total maximum de... C'est que total manpower, je suis à 2 millions d'eux. J'ai vu le Venezuela qui m'envoie des troupes pour m'espionner. Mais après, c'est surtout que je suis encore, vous savez, victoire de la Grande Guerre. Ah oui. À la con, quoi. Donc je peux pas rechercher de doctrine terrestre, je peux rien faire pour l'instant. Et pour l'instant, pour à peine, je leur mets sur la gueule. Ouais, puis merde, j'éclenche le plan, il me saoule. Voilà, ok, mes 9000 hommes, ils disent quoi? Ils sont quasiment en position. Et on va aller leur mettre sur le groin. Donc ça c'est une bonne chose. Construction. Ouais. La DCA se construit. Hop, hop. Approvisionnement, c'est un peu la dèche. Ouh, ici. Ah bah tu m'étonnes que c'est la dèche, les mecs. C'est un peu beaucoup. Voilà. On m'en fout. Les troupes de montagne qui sont en train d'avancer là. Les mecs, ils ont tout fait. Ils ont fait la Suisse, la France, la Grèce, l'Afrique du Nord. Là. C'est quoi? On est les troupes de montagne. Ça voit ou bien? Et c'est la fin de l'épisode. Donc voilà.
Donc voilà, sur ce, on va arrêter là les gens, hein. On vous fait des câlins, des bisous et des kisses et tout ça, tout ça. C'est tout ce que vous voulez. Voilà. Bah les Gérard qui dit pas au revoir. Bah je peux dire au revoir moi. Bon, il fait quoi, on en fait un autre ou pas encore? On peut s'en faire un petit dernier. Allez, dernier. Allez. Pour le petit Léji. Vas-y Léji. 3, 2...